Jean, ben, quand il était jeune, il travaillait avec des chevaux au champ. C'était le mode de travail. Il a pas assez d'argent pour acheter un tracteur. Fait qu'il travaillait avec les chevaux. Puis dans la paire de chevaux, il y avait un cheval qui était croisé Clyde. C'est ça qui a fait qu'il a aimé la race Clyde. Il a toujours eu un attachement. C'est un cheval qui s'appelait Sam. Puis on Sam, ben, il faisait ce qu'il voulait avec, mais il travaillait. Quand c'était le temps de donner un coup, il le donnait. Puis, fait que c'est de là qu'est devenu son amour pour la Clyde. Si on regarde des films, puis on dit l'homme qui murmurait à l'oreille du cheval, c'était Jean Baudouin. Il y avait un doigté pour communiquer avec un cheval hors commun. Bien, je veux te dire, au début, Jean, c'était mon mentor. C'est lui qui m'a parti dans l'élevage des chevaux. Premièrement, j'aimais ça. Puis deuxièmement, ben, on avait parti quatre jours ensemble pour aller visiter des éleveurs. Puis c'est là qu'on avait fait les premiers achats d'Atline. Il avait la capacité de s'entourer de gens qui étaient joyeux. C'est un gars qui avait beaucoup d'entre-gens, qui était capable de rallier le monde à ses idées puis à ses projets qu'il y avait au niveau de l'attelage des affaires-là. C'est quelqu'un qui voulait que tout le monde se sente inclus, peu importe la race. Il n'a pas travaillé nécessairement uniquement pour sa race, il a travaillé pour tout le monde. C'était une personne excessivement généreuse aussi. C'est un peu ce qu'il caractérise, puis c'est un homme excessivement travaillant. Quand il y avait un objectif, il s'arrêtait seulement quand l'objectif était atteint. Sa plus grande contribution, c'est la mise en place de spectacles de chevaux attelés dans les expositions agricoles du Québec. Puis j'insiste sur le mot spectacle et non pas concours. Parce que pour Jean, ce qui fait un bon show, ça prenait des chevaux lourds, des chevaux légers, des poneys, puis tout ça dans une multitude de classes variées. Jean a été le premier à avoir des attelages chromés et il a été le premier à avoir une voiture de type de show. Il allait à Toronto, à la Royale de Toronto, puis il trouvait ça tellement beau, puis il se demandait comment est-ce que je pourrais faire pour ramener ça au Québec. En 1973, il y a Marcel Sylvestre qui juge à Drummondville, il juge les chevaux au licou, puis la paire de chevaux au bout des guides. Mon père avait son attelage de chrome, qui était toute neuve. Et après le jugement, Marcel Sylvestre va rencontrer mon père, puis lui dit, écoute, l'année prochaine, je deviens le président de l'Expo de Saint-Hyacinthe. J'aimerais ça faire quelque chose de spécial. Il dit, avoir des chevaux attelés, tu sais, comme ta père, ça serait super beau. Et mon père, qui cherchait un moyen d'emmener ça au Québec, c'était l'étincelle qu'il avait besoin, fait que ça l'a parti. Saint-Hyacinthe, la première année, je me souviens, dans les estrades, il y avait de la place. Il y avait du monde, mais il y avait de la place. L'année d'après, c'était plein. Deux ans après, le spectacle n'a pas commencé, c'était full plein dans les estrades. Puis c'était le show à voir. Les gens adoraient aller voir ce spectacle-là. Mais Jean avait compris que si l'aréna était pleine, l'exposition faisait de l'argent. Puis si elle faisait de l'argent, bien, elle était prête à donner des bonnes bourses pour les éleveurs de chevaux. Dans le monde des chevaux, M. Jean Baudouin, il y avait une facilité de transmettre la passion à tout le monde, le respect entre les exposants, ses amis. C'était pas une compétition pour lui, c'était un amusement de tous les jours. Jean, c'est un bon compétiteur. Puis c'était une personne qui était fière, puis on n'a qu'à se souvenir de son habillement. T'sais, il a fait un peu fureur quand on l'a vu arriver une première fois avec des pantalons blancs et un veston rouge pour conduire des chevaux. C'était une personne qui acceptait toujours le choix des juges sans jamais dire rien. Puis même, je pense qu'à l'inverse, ça le mettait un petit peu mal à l'aise des fois quand il gagnait trop souvent des rubans rouges. Il aimait ça quand tout le monde était heureux. En compétition, il nous disait tout le temps, quand on embarque dans le ring, c'est chacun pour soi. Que tu embarques pour gagner, j'embarque pour gagner. Puis à la fin de la journée, on s'assied et on s'amuse ensemble. Prendre une petite bière, ça aidait.
C'était vraiment un gentleman sportif. Il avait vraiment l'esprit sportif. Il me disait toujours, il faut savoir perdre, mais il faut savoir gagner aussi. J'étais à Trois-Rivières, puis dans ce temps-là, il attelait à deux voitures. Puis là, il manquait un chauffeur, puis il vient me trouver, il y a mes vaches, puis il dit, tu vas conduire ma flèche ce soir. Il dit, Jean, j'ai jamais construit ça, il dit, pas un problème. Fait qu'il s'est avec moi, puis il dit, ah ouais, prends un guide. Fait qu'on est parti, puis ça a fait. Fait qu'à un moment donné, on l'embarque dans le ring, il fait la compétition. Je l'ai battu. Ben, que ça a commencé, mais ça m'a aidé à me partir plus vite dans l'attelage. Un peu bizarrement, autant on le voyait à l'aise dans les expositions, dans les foules, autant je pense qu'il y avait un petit côté sauvage. Jean, lui, quand il était en dehors des expositions, il aimait ça, se réfugier dans son domaine, comme il disait. Puis son domaine, en fait, c'est une maison, une toute maison simple, mais chaleureuse, puis avec une vue sur sa toute simple écurie. Puis lui, il s'assoyait sur sa galerie, puis il regardait ses chevaux, puis c'était ça son bonheur.